l'idée de base de ce projet, en fait, c'est de développer un produit spécifiquement pour l'enduro. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que le pneu et la roue sont des éléments vraiment indissociables et qu'ils amènent vraiment les mêmes fonctions au pilotage et au vélo. Il y a deux fonctions très différentes, de l'ensemble roue-pneu avant et l'ensemble roue-pneu arrière. À l'avant, on va surtout chercher du grip, de la stabilité et du freinage, alors qu'à l'arrière, on va surtout chercher de la réactivité, du rendement et de la tenue sur l'angle. Les pneus sont vraiment adaptés aux jantes, comme ils ne sont pas les mêmes largeurs en fait, à l'avant et à l'arrière. C'est vrai que ça change. Les derniers jours, on a testé plutôt les pneus qu'on préférait pour aller dessus, et autant à l'arrière qu'à l'avant. Et on est tombé d'accord sur quelque chose vraiment adapté à la discipline de l'enduro. La solution finale, c'est un produit qui est vraiment destiné à l'enduro, qui est vraiment spécifique. On a une roue un peu plus large devant que derrière, qui correspond avec l'accroche devant et un peu plus de rendement derrière. Et au niveau du pneu, on a un peu la même philosophie, avec un pneu très directif, très confortable devant. On a choisi une gomme assez tendre pour qu'il y ait pas mal de grip. Et derrière, à l'arrière, on a mis un pneu avec pas mal de moins de résistance sur la bande de roulement. Et par contre, des crampons qui accrochent bien sur le côté afin d'avoir quand même du grip au freinage. Et puis en courbe, ça accroche bien. I think it's very important to have a tire that can perform well in all conditions for enduro, because one minute you can be on hard pack, the next minute you can be on loose switchbacks, and the next minute you could be crossing a river and going through a muddy section, and you want grip, you want a tire that you can get used to and know how it performs in every condition. So I think the front tire that I tested, we tested it today in the wet, yesterday was dry and loose, and I really got to grips with the tire, got used to it, used to the progressivity of the tire, and I think that's really important, that you can have a tire that you're used to and performs well in any condition, and I think the tire we selected did that very well.